tous et à tous, on se retrouve pour la grande finale, hein, BO5, hein, donc c'est parti, premier match, hein, je suis en compagnie évidemment de Thieu, hein, la Team Cell, il est là, il est concentré, on joue évidemment contre l'équipe Gollum, hein, Longshore Eternal, ça va être un match très compliqué, hein. Je sais pas comment ça va se terminer, mais j'espère qu'on va gagner, c'est tout ce que je veux, hein, évidemment gagner, hein, c'est mon seul objectif dans la vie. Alors évidemment le début de partie, hein, faire évidemment un bâtiment à 97% parce que c'est important, hein, 97% c'est égal à 25 de ressources toutes les 6 secondes. Si vous êtes en dessous de 97%, vous allez gagner non pas 25 mais 24 de ressources. Du coup vous allez perdre de l'argent au fur et à mesure du temps. Et oui, hein, chaque move que vous allez faire est d'une importance capitale. Et évidemment, pour commencer mon start, hein, je parle beaucoup parce que ça permet d'extérioriser un peu la pression, parce que c'est une finale, hein, on est toujours sous pression. Et je vois qu'il y a Galator dans le chat, incroyable, c'est beau. Donc là, nous allons évidemment chercher une petite fournaise dans le coin. C'est là où le moment où est-ce que je fais ça ou... Je sais pas. Je sais pas si c'est worth de faire... Non, je vais quand même les rush, je pense. Ça change pas grand chose si. Non, on va rush. On rush les elfes. Les quoi? Les elfes. Les elfes? Non, mais je vais pas rush les elfes. Il a fait une tour de pique. Ah, mais c'est. Une tour de piqué, une tour de guerrier. Je prends le champ de guerre ou je prends les crébins? On est contre quoi? On est contre du Gondor et de l'elfe. Bougez-moi cette charme! A toi de voir. Je verrai bien. Je vais déjà juste... je pense qu'il va m'envoyer des soldats du Gondor, si tout va bien. Si tout va bien, en vrai, il m'envoie les petits... Ces nouveaux wargs. Ah ouais, mais les prix ils ont changé, maintenant toutes les unités coûtent de l'argent. Ça pique les fesses. Ah, il a commencé par faire des piquets, c'est cocasse. Mais c'est pas possible, ils m'entendent en fait. Genre tout, tu commences par faire des piquets. Bah je viens vers toi, hein. Mais il a des épiques aussi. Ouais, je viens de voir ça. Ah, il a fait des épistes. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Oh. Putain. Je peux pas venir t'aider, hein. Tu t'es défoncé ou comment ça se passe là? Non. J'ai juste perdu une unité parce que ça lag. Non, sinon. Ah, il y a des... Attends, il y a des soldats du Gondor là, par là. Je vais les manger, je vais les manger, t'inquiète. Non, c'est des piques. Ah oui, il me rush à deux. Hein. Mais en vrai, il y a une grosse latence, hein. On dirait pas, hein, mais... Non, non. Merde. Je crois que je suis nimp. Non, du tout, du tout. Tout va bien alors. Fais gaffe au piqué. Putain, j'aurais demandé 10 millions de fois de tourner. Mais en vrai, il y a une grosse latence, on est d'accord. Hein. Mais ouais, il y a une énorme latence là. Je vais quand même le dire. Hein. Je vais quand même le dire qu'il y a une grosse latence, hein, parce que c'est. Insupportable. Alors, je pense qu'ils l'ont aussi, la latence, mais... La latence... Regarde, mec, mais nous, ça fait 10 fois que je vous aurais demandé de reculer, hein. Du coup, j'ai tout perdu. Attends, mais les loups, c'est pas contre les piquets, ça, vraiment. Ouais, bon, en fait, c'était le pire start, hein, je pense, hein. Ouais, ouais, c'était le pire start, du coup. Les mets pas en agressif. Bah, écoute, je pourrais remettre mes loups en agressif, super. Ah oui, c'est vrai qu'il avait modifié ça, j'avais oublié. Oh là, non mais franchement les loups ils culent la merde, hein. Si en vrai les loups sont pas mal mais faut bien les manier en fait. Non mais je te parle les loups d'Angmar. Ouais. Je commence à avoir faim. On cule avec tes rouquins. Pourquoi? Attaque ou fais quelque chose d'autre là, parce que... Moi je, pour l'instant je temporise, parce que vu que j'ai perdu un peu des trucs. Je vais aller prendre la vision. Peut-être prendre des pouvoirs aussi.
Les Orugs sont prêts avec leur arbalète. Faut que j'arrive à rush. Ils ont repris le centre, hein. Burtz. Ouais, go centre. Ah bah il m'attaque. Attends, mais quoi? Il t'attaque? Ouais. Vas-y, je vais dans sa base. Ah, ils ont tué le porteur, yes. Oh putain, il a fait des archers. Ça va, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il a des piquets ou pas? Ah ouais, fait des arbitres, mec, c'est trop fort. Hein. Ouais, j'ai remarqué, les arbitres sont pas mal en vrai. C'est pas mal, c'est fait. Pour l'instant, c'est pas la folie hein, de mon côté. Hein. Faut vraiment que j'aille mettre de la pression là. Bah, va attaquer, je me charge de ça, le monde. Merci. Et ça, c'est chiant le truc qui va, ils vont à deux à l'heure là quand tu fais un clic. C'est le pire truc. Bah, c'est parce qu'en fait, t'es avec les autres unités là, il y a ceux-là qui sont en position bouclier. Ouais, mais je crois pas, hein. C'est quand tu fais un clic. Ça fait ça. Ouais, je sais, mais mes wargs ils sont cons en fait, ils ont du mal à courir, je crois. Vraiment, il y a des grosses latences de ouf, hein. Vous imaginez pas le chat la latence qu'il y a, genre. Je fais un move, il se passe rien. Je vais juste attendre quoi. Mes unités, faites quelque chose, on va taper. Ouais, j'ai vu. Ouais, moi je me suis fait éclater. Ah, c'est Zef quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font, mes piquets? Ils ont été fiers. On se casse, on se casse. C'est insupportable, ça lag. Eh, mais Mirac, c'est le pire host, hein. J'ai vu qu'on l'a gamme mort. La dernière marche des Ents, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il a fait un Ent. Ah. C'est pas cool ça. Effectivement. Je crois que je vais passer directement sur les berserkers. Il y a le body block, je te rappelle. Ouais, ouais, non, mais même ça lag de ouf, hein, je trouve. Ouais, ouais, ça lag. Vraiment, quand j'ai vu les unités derrière Tarnage, j'en vais pas. Franchement, changer d'host là, les 2 secondes de latence, c'est insupportable. Eh hey, toi, y'a pas que moi. Y'a pas que 2 secondes de latence, là, les enfants. Y'a du monde là, non? Je reconnais là. Ouais, y'a du monde. Ah oui, il faut. Il rush ma forto en fait. Refais des arbitres. Il rush ma forto. Voilà, mais là, on pourra pas. On pourra pas se défendre si c'est comme ça. Putain, mais c'est chiant, je peux rien faire contre ces Ents et son armée là. Essaye de focus ses piquets. Bah, avec quoi? Avec tes arbatriers. J'ai rien. J'ai tout perdu. Attends, attends, mais j'ai chargé des piquets par derrière. J'ai perdu mes loups. J'ai rien. J'aime pas cette faction de mort. En fait, les loups, ils sont tellement nuls à chier dans cette version. Genre, ils sont body block tout le temps, donc c'est à chier. Genre, vraiment, c'est à chier. Genre, y'a rien à faire avec eux. Est-ce que c'est fort contre les Ents? C'est ça la question. Ouais, ouais, d'accord. Non, ça a pas l'air d'être très puissant contre les. Ouais, ok, d'accord. Ok.
chercher mort. Oh. Ah, c'est la forteresse qui va tomber, hein. Je suis désolé, hein. Je peux rien faire. Hein. Ouais, c'est en même temps, c'est un peu débile. Premier match compliqué, quoi. Non, mais c'est bon. Deuxième match, on va essayer de prendre plutôt les elfes. Ou une autre faction. En vrai, si tu veux, il y a que 2 secondes environ, mais à cette échelle, ça paraît très long. Et c'est le cas. Je crois qu'on peut dire que Langshore a anticipé que vous lui voliez l'Isengard. Je t'ai dit, Elrogo, Gobelin MDR ou Mordor, tu fumes n'importe qui avec eux. C'est quoi le meilleur counter des Ents, les piquets? Alors, les piquets, les flèches enflammées, les flèches de feu, en fait. Hein. Gagner avec la latence, c'est tricher. Ça fait 10 minutes sans compter la latence? Alors, on est dans les temps. Ah, oh, les pires. Ah, bah là, c'est foutu, hein, je peux rien faire. À part s'ils pètent pas mes bâtiments, en vrai. Il me reste un warg. Et un warg bugué, en plus. Et les wargs, vraiment, ils ont été codés avec le cul, je pense. Ils servent à rien et ils sont codés avec le cul, ça me rend fou. Non, mais en vrai, sans l'urte, sans les héros chez Isengard, c'est impossible de win. Ils attaquent le camp. Non, mais MDR, en fait. Et en vrai, je peux peut-être refaire ma forteresse. Il me manquerait 3000 de thunes. Et je pourrais le faire. Ouais, non, mais j'en sais pas, c'est débile, là. Bon allez go GG là. C'est le mode de miracle? Ouais c'est le mode de miracle là. Bon 1-0 pour le moment. On va s'y remettre là. Est-ce que je pars sur une unité d'archer ou directement épéiste? T'écoutes quoi quand le Mordor part épiste? Tu penses? Ah ouais. Pourquoi? J'ai dit quoi? J'ai dit pareil. Comment ça il paraît? J'ai dit tu pars quoi? Entre archer et épéiste. Tu pars épéiste, tu dis ou alors archer, enfin tu choisis. Bah en vrai, moi j'adore partir archer, je sais pas pourquoi, j'adore. J'adore pique les archers. C'est une passion. Ce bâtiment est acheté, des matériaux de construction. Nous avons une nouvelle structure. Mais c'est fou, j'ai des lags. J'arrive quand même à avoir des lags, genre. Mais moi aussi, hein, t'inquiète pas. Hein, c'est un truc de fou, je comprends pas. Je lag jamais, faut forcément là que je lag. C'est un truc de fou le chat, vous êtes conscient là. C'est pas grave, on va gagner avec, mais. Tu vois, c'est pas moi qui faisais laguer. Oh là là, mais c'est honteux, pourquoi on lag à ce moment-là de la soirée quoi. Moi c'est sûr, personne n'utilise la connexion, je suis tout seul chez moi. Ce bâtiment est achevé. Nous avons bâti une nouvelle caserne. Et oui, nous avons bâti en plus une nouvelle caserne. Je sais pas. Des matériaux de construction. Apportez ça ici. J'attendais juste mon tour. Eternal a mis des graphismes plus haut. J'avoue, c'est peut-être ça en plus. Sauf c'est vraiment ça en fait. Faut vraiment que t'ailles prendre le centre là avec tes unités d'archer. J'y vais, je fonce. Je fonce si ça lag pas trop évidemment. Haha. Les arcs de la Lorien sont à vos ordres. Mais je suis con, j'aurais pas dû partir archer du coup. Mais comme ça on est trop fort en fait. Ça se trouve ils vont partir cavalerie. Ça se trouve ils nous counter depuis le début parce que Mirak évidemment est dans leur vocal. J'avoue. Nous avons trouvé un avant-poste. L'ennemi rôde par ici. La caserne est terminée. Je suis en train de lui niquer ses hommes. Ne les laissez pas souffler. Stop. Oh la pute. En plus, il est parti. Je vais l'attaquer. Je suis bien pour le moment. Je l'ai anticipé. Je le bloque. C'est vraiment un enfoiré éternel, tu sais. Rentrez au camp. Non, Éternel, il est gentil. Allez, là on est bien. Et là on fait directement un autre Malorn. Putain, il sert à rien. Fais gaffe, il y a des unités à droite.
De quoi? Ah merde. Putain. T'aurais dû me le dire plus tôt. Ah mais t'as pas pris le milieu? Bah non. Pourquoi j'aurais pris le milieu? Parce qu'il y a un avant-poste. Oh, il fait chier avec ces hommes sauvages du pays d'Ain là. Voilà, il a pris le truc en plus. On y travaille, des matériaux de construction. Ah ouais, mais du coup, il y a l'enclair qui protège son avant-poste. Alors, on va l'ouvrir, ça fait de la merde. Mais non, t'inquiète, je vais attaquer là. Promis. Je me reposais un peu. Promis, j'attaque. Il est temps de bâtir. Gardez vos sens, soldats. Je mets de la pression, je mets de la pression. Pour une fois, je mets de la pression. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Les bâtiments ennemis sont proches. Développons ces terres. Nous devons protéger la terre du milieu. Nous devons défendre nos foyers. Prudence, c'est la forteresse ennemie. Attention à l'ennemi. Sentez la morsure de nos terres. Ils ne sont pas de taille. L'ennemi est proche. Elle se dit plan. Gardez vos sens en éveil. Préparez vos armes. Attends, avec la latence, vous avez vu le chat? C'est insane. J'ai normalement besoin que tu serves à quelque chose, alors même. Ah, bah, ça? J'ai rien, j'ai rien. Fais gaffe, il y a beaucoup d'ennemis. J'ai détruit une caserne, tout va bien. Le travail nous attend. Il y a beaucoup à faire. C'est la finale. Ne déconcentre pas. Il faut aller sur le live là. Je temporise comme ça. C'est bien, temporise, temporise. Et vous avez vu, avec les elfes, je suis beaucoup mieux. Hein. Merde. Qu'est-ce que ça fait? J'ai failli perdre ma cavalerie. Des matériaux de construction. Bah oui, ça va être payant, sort de la. Je suis tout seul là. Hein. Oui, bah recule si t'es tout seul. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait des piquets énormes. Attends, non, j'arrive. Oh, puis avec la lenteur. J'arrive. Nous défendrons les terres, et nous portons les lances aux armes. Cette belle ville s'agrandit. Celle que ne traînez pas. Gardez cette zone. Avancez. L'ennemi est là. Destination. Nous devons protéger la terre. Ce sont leurs portes. Attends, attends, il met 3 ans à faire des unités là, sérieux. Vas-y, j'arrive. Le mal est sur nous. J'aimerais bien faire le dire. C'est bon, je suis là, vas-y, go fight. Ah merde, il y a God Mode. Ils ont des buffs, hein, on n'a pas de buff. Hein. Donc on recule, hein. On n'a pas de buff. Tant qu'on n'a pas de buff, on peut pas y aller. Hein. T'as pas pris de buff, toi. Si, si, mais il est pas réopen, mon buff. C'est un fight. Il meurt, je sais pas comment il meurt. Genre. Restez sur vos gardes. Avancez. En ligne. Préparez vos armes. Quelle latence, c'est insupportable hein, de jouer. C'est archi, il faut rien. Restez concentrés. En avant. Nous devons protéger la terre du milieu. Protégez cette terre. J'en vois des archers, je pense. Je viens au nom des elfes de la Lévidor, les serviteurs de Sauron. Avancez. Nous y allons. Préparez vos outils. Préparez vos outils. Je sens une présence maléfique. Nous ne pouvons rester ici. Mais non, mais mes cavaliers. Oh, j'en peux plus. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué avec une latence aussi forte, je trouve. Ouais. On a pas en 9, on aurait pas eu ça. Nous ne pouvons rester ici. L'ennemi a établi un camp ici. Par le mal. Nous avons une nouvelle structure. Tu peux faire un puits, s'il te plaît?
Où ça? Où tu veux. Dis-moi, je fais juste un ping là où tu fais un puits. Nous devons chercher ailleurs. Je suis prêt. Attends. J'ai des matériaux de construction. En ligne. Reculez. Les lights, sentinelle. Attention à l'ennemi. Elf, David Blanc, aux armes. Ne traînez pas. En ligne. Battez-vous vaillamment, Elf. Ils doivent tous mourir. Vraiment, gros connard. Hein. Ah, ça sonne pas les héros, d'accord. Je pensais que ça sonnait les héros. Des matériaux de construction. Vas-y, j'arrive de ce côté, j'arrive de ce côté. Fais un puits. Mais je crois que j'ai fait un puits qui est peur. Je vais faire là. T'as reconstruit ton avant-poste, toi. Hein. Oui. J'ai pas l'argent. Mais mes elfes, ils avancent pas, je comprends pas. Allez. Tout de ouf. C'est bizarre qu'Eternel soit pas là. Si, 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 il est là, il est là. Travail nous attend. Les matériaux de construction arrivent. Nous ne faiblirons pas. Restez sur vos gardes. Restez-vous. J'ai fait tellement d'archers. Le temps nous est compté. Je veux dire quoi, ton Aldir, hein. Mais il est où? Putain, mais Aldir, qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon Aldir? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Barre-toi. Putain, mais les archers, c'est trop. Moi, je pars sur des archers de la forêt noire. Avec tous mes archers, normalement, ça peut passer, là. Vas-y, je vais à mon puits, je vais à mon puits. Ah, t'as construit un Malorn. Qui a construit un Malorn? C'est moi, en fait. Bah oui, il y a peut-être les elfes, connard. Je suis un connard, c'est pas possible. Faut que je fasse une chambre. Je fais une chambre à une. Reste pas sous la forteresse, hein. J'ai pas fait exprès. Souris. Attends, on est bien, là. Faut pas qu'on perde l'avantage qu'on a. Peut-être aller casser l'écho, hein. Je suis sûr, Eternal, il a une grosse écho. Avec ta cavalerie, fais le tour de sa base. De leur base, là. Va péter leur écho, hein. J'ai un pouvoir niveau 10 là. Je prends quoi? Voler de flèche ou ombre brume? Brume, ça peut être pas mal, non? Ce que tu veux. Pas brume. Pourquoi pas brume? Parce que c'est un débeu. En vrai, la volée de flèche avec le stun de d'Aldir, ça peut être incroyable. Il a des troupes en haut, hein. Il va t'écouter mal en haut. Ouais, il a une écho, hein, de bâtard. Hein. Venez avec moi. Trop chien. Notre belle ville s'agrandit. Je sens une des matériaux de construction. Il est temps de bâtir. Est-ce qu'on dirait pas tuer Bobby pendant ce temps-là? J'avoue, les flèches d'argent, ça peut être pas mal aussi. Je défendrai notre peuple. Mais je vais juste attendre les elfes. Leur Findel, il est pas mal aussi. Hein. Ces terres sont rongées par le mal. Des piquets, Elro! C'est vrai. Mais un Sylve Barbe, c'est bien aussi. Allez, Sylve Barbe avec deux unités de piqué, et comme ça, on me dira pas « T'es piqué, Elro !» De toute façon, avec la masse que j'ai, même s'il y a de la cavalerie, et bah la cavalerie, je la nique. Allez. Nous défendrons les terres elfes. Où devons-nous construire? C'est bon là, on a gagné ou pas là? Ou toi t'es pas bien? Je suis pas bien. C'est bon, j'ai Sylve Barbe qui arrive. Je vais aller niquer sa base. Allez, il a couru mes cavaliers. Les matériaux de construction. Il y a beaucoup à faire. Je sais pas pourquoi, moi je m'amuse à faire Bobby. Ah oui, d'accord, ces piquets sont relevés d'un coup, genre, bah oui. Il ne mérite aucune. Restez sur vos gardes, c'est la base ennemie. Notre belle ville s'agrandit.
Parou. Il est mort. Il était tué. Il est au milieu, il est au milieu, il est au milieu. Vite, Silverbarbe. Esquive les cailloux. Je suis tellement bien dans la game et je suis nimp. Tu fais nimp là? C'est pas bon ça. Bah, je sais pas comment terminer mon adversaire en fait, je suis trop mauvais je crois. Vas-y, attaque, 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 attaque. Non, bah non, non. J'ai un vrai les hobbits. Non, 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 non. Tu vois pas l'armée qu'ils ont là? Mais j'ai les hobbits, gros, je les stun. Bah vas-y, vas-y. Enfin, non, non, le fais pas, le fais pas, le fais pas, le fais pas. Replie, on se replie, on se replie, on se replie. On temporise, on temporise. J'aimerais bien avoir les flèches d'argent. J'ai des matériaux de construction. Développons, c'est nous devons construire. Allez, bougez mes cavaliers. Ah, ils se laissent pas faire, hein, ces petits cochons là. Mais je comprends pas, toi, t'as pas de puits? Non, mais moi, en fait, le problème, c'est que ça régène pas mes unités. Bah, je suis en train d'en faire un là. Moi, je suis pas la cavalerie, c'est Tutu qui fait la cavalerie. Quoi? J'ai tué le bâtisseur d'Eternal. Bien joué. L'ennemi n'est pas loin. Ouvrez l'œil. Nous devons défendre nos frontières. Il vient me casser les couilles, hein. Nous ne faiblirons pas. Nous devons défendre nos frontières. Nous y allons. Notre peuple est en danger. Ah, il est sérieux là? Oh, mais. Oh, Eternal, je pensais qu'il savait jouer quoi, sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mais cavalier, vous branlez quoi? La pourquoi vous avez pensé dans des. Mais pourquoi je me tape tout le temps cette merde là de. Mais je vais partir sur des aigles en fait, ils me pètent les couilles à tout le temps faire des catapultes là. Des catapultes là. Ils font des. Mais ils font que ça! Mais je pars sur des aigles en fait. Ça va être vite réglé cette histoire là. Bon, avant que je. J'ai zéro de pop, j'ai zéro de pop. Mais tu t'es pas étendu derrière ta base? Je comprends pas pourquoi. Attends, j'ai une idée. Je vais aller péter son écho par derrière. Putain, mais le truc à Bobby, il est en train de se remettre quoi. J'ai perdu le chat. En train de fuir là. Ah. Oh vas-y, ça me pète les couilles. Je dois m'occuper des arbres. On y travaille. On y travaille. Ce sont leurs bâtiments. L'ennemi rôde par ici. Préparez vos armes. Ne laissez pas de temps. Ouvrez l'œil, sentinelle. Protégez cette terre. Suivez l'étoile du soir. Qu'est-ce qu'il fait? À cheval. Ces terres sont rongées par le mal. Soyez prêts. Aux armes. Nous devons défendre nos foyers. Le mal est sur nous. Ouvrez l'œil, sentinelle. Bah le dire, tu fais quoi le dire? Tu veux un truc de boucle, hein. Ne les laissez pas passer. Ah, ils arrivent. Attends, attends, je suis là. Oh, je suis pas là. Qu'est-ce qu'a fait l'Arwen? Attends, attends, j'ai fait un pouvoir. Le pouvoir c'est pas fait. Le pouvoir a rien fait, genre. Nous devons nous dresser contre eux. Bah nice. Bah super. Bah super. Le pouvoir inutile, hein. J'ai fait un pouvoir 5, le pouvoir 5 a été annulé. Ok. Vas-y, j'arrive. Oh, j'ai détruit 3 de ces catapultes d'un coup. Bon, par contre, j'ai perdu Elrond, j'ai tout perdu en fait. C'est pas worse. Ouais, t'as tout perdu. Bah, j'ai perdu Elrond, j'ai perdu Arwen, j'ai perdu Eldir. C'est pas grave, j'ai tué 3 catapultes. Je me dis que c'est peut-être worse. Mais ça va, les renforts arrivent, tout va bien. C'est un peu le bordel cette bataille. Hein. Je comprends pas trop, mais. Allez, les bleus en fait. Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on ferait pas une chambre à Ent? Non, on va faire une cavalerie ici. On peut utiliser les flèches d'argent maintenant.
Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. En plus, il y a l'aigle qui arrive. Nous venons de la forêt noire. Oh, mais ils se font chier à avoir tout le temps des catapultes, des aimes, des trucs. Insupportable, quoi. Oh, j'ai un aigle. On a besoin d'infanterie. Pourquoi je peux pas? Il est encore en train de passer. Putain, il me casse les couilles, sérieux. Oh, j'en peux plus. C'est vrai qu'ils sont insupportables, en fait, en face. On peut pas les approcher, en fait. Mais gros, regarde, c'est une balance de troupe de pitié à chaque fois, là. Putain. Comment tu veux que je reste calme face à ça? C'est pas possible. On peut pas rester calme face à ça. Mais heureusement, j'ai un aigle. J'ai un aigle qui est en train de faire le ménage, là. Je vais faire le ménage de l'écho. Avec Arwen et... Je veux pas profiter d'une unité, je t'ai envoyé ma thune. Oh, c'est gentil. Je vais faire Elrond et Glorfindel, du coup. Ta thune. Vas-y, 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 j'essaie d'adapter son écho, enfin, sans qu'il attaque mon écho. Regarde-moi, il vient me narguer avec son putain de... Suivez l'étoile du soir. Mais vas-y, moi j'y retourne, en fait. Je vais le narguer. Ouais, non, mais MDR aussi, les cavaliers sont teubés. Regarde-le, en train de partir avec sa troupe de piqué. Comment tu veux? Eh, le chat, je vais juste contourner sa base, en fait. L'un des malors n'est attaqué. Comment ça, j'ai... Tenez-les en échec. Je crois qu'il veut m'attaquer, non? Il est un peu vénère, là. Le mal se répand sur ces terres. Salaud. Rassemblez-vous, lanciers. L'ennemi est là. C'est une invasion. L'ennemi est là. C'est une invasion. Le mal est sur nous. Je crois qu'il veut pas que je vienne là, en fait. Jamais j'ai un pouvoir 5 pour les faire tomber. Hein. Mais toi, je comprends pas ce que tu fais. Pourquoi tu pêches pas par les côtés? Nous devons rassembler nos meilleurs arcs sont à vous. Non, mais ils faut envoyer une tétue éternelle en haut. Bah oui. Je crois que je vais faire ça. Je suis en train de péter tout le temps H24 son écho, en fait. Je t'explique. Bah c'est très très bien, tutu. Il faut continuer. Je pense qu'il faut persévérer. Après, il va faire que des murs. À chaque fois, ils se sont battus comme ça. De toute façon, Longshore là, il sert un peu à rien. À part défendre. Alors que si on attaque éternelle, en vrai, moi je vais prendre le pouvoir. Ah bah parfait. Bah go. Je sais pas où alors. Regarde, il y a son armée qui va à gauche. Viens, on va à gauche. Bah ouais, bah normal, j'ai ramené mon armée à gauche, donc Mais oui, go, go, go. Nous protégeons la maison d'Elrond. À vos arcs. Ah, vas-y, je fais le pouvoir. Nous devons protéger ces voies. Ah, tu l'avais pas fait? Non. D'ailleurs. Ouais, après, ils ont rassemblé tous leurs soldats. Oh, alors, fais gaffe. En vrai, moi, j'ai mes aigles pour counter ces catapultes à Longshore. Ok. Fais gaffe, il y a des armes dans l'ordre. Hein. Les terres du nord sont assiégées. Soyez discrets. Nous devons rassembler nos forces. Nous devons défendre nos frontières. Ah, ils viennent chez moi, ils vont foncer sur ma forteau, c'est sûr. Je les sens venir à 25 km là. Vite, ils sont repliés chez moi. Comment il a pu être fou la mêlée d'un coup comme ça? Vas-y, défends ces catapultes. T'aurais pas dû faire des tours. M'en fous, c'est juste pour temporiser, on s'en fout. Allez, là, prends le pouvoir! Le foyer sont menacés! Ils ont tué le bâtisseur! Non, prête à qu'un malheur! Ils sont stun. Oh, y a pas de retour. J'avais amélioré ma forteau, donc ça va. Oh là là, ça se passe si bien le chat là.
Que peuvent-ils faire tant de... devant tant de haine? Je crois qu'ils ont tout perdu là. Bon bah go contre-attaquer. Non. Le problème c'est que j'ai pas d'engin de siège moi. J'ai pas d'engin de siège moi, c'est chiant. T'as des engins de siège toi? Bah faut aller péter les ressources hein. Ouais, mais le problème c'est qu'ils ont déjà bougé des piquets là pour leurs ressources. Attends, moi je vais envoyer les aigles. Ouais, on voit les aigles. Oh non, mes cavaliers, ils sont envoyés sur la trajet des cavernes. Je partirai lorsque mon peuple sera en sécurité. Oula. Oh, j'ai shippé. Oh, j'ai esquivé la flèche de Gorgoroth sans le vouloir. Trop fort. Et sans le vouloir en plus. Je me suis dit, je vais aller à droite pour me replacer. Mais vous avez vu ce skill cap? Incroyable. En vrai, mon aigle, il carry de ouf là. En plus, il a pas d'archer. Par contre, leur final, pas ouf. Hein. Merde. Est-ce qu'avec les archers je peux détruire les bâtiments? Ce serait incroyable. Oh, les dégâts sur eux. Incroyable. Faites trop bien les archers quoi. Ça me rappelle la 1.00. Oh putain, mais je perds tous mes héros comme un con quoi. Ouais, ça c'est chiant qu'on puisse pas faire plus avec Arnaud. Respectez la zone. Je suis vraiment trop con quoi. Vas-y, je continue à... Ah mais j'ai 25 de pouvoir. J'ai les poneys. On peut détruire sa forteau. Allez go. On y retourne. Aigle en première ligne là. Oh merde, mon aigle est mort, comme une merde. Ça va passer les flèches d'argent, je vous le dis moi. Alors fais gaffe parce qu'ils arrivent. Hein. Ouais, il est mort. Oh, on a fait notre combo là. Ouais. Je focus son lurt. Et ils font quoi mes archers? Allez pas au corps à corps pour tirer des flèches. Ça a aucun intérêt. Non. Oh merde, il est mort. Il allait faire son niveau 10. Oh, on se fait défoncer là. Ouais. Oh là là, en vrai, on joue tellement mal. Oui. Mais on va gagner, je pense. J'espère, parce que là, sa forteresse, ça fait 200 ans qu'on la tape là. Et qu'Arwen. Arwen est tant que plus que Elrond, Aldir, Legolas et tout ce qui s'ensuit quoi. Par contre, elle prend. Mais d'où elle prend plus cher d'un coup? Pendant 2 ans, elle tank, et après, elle tank plus rien, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Ah, la victoire. Pff, alors on a gagné. Un partout. Putain, c'est un BO5. Et on va finir dans 2 heures, en fait, genre. C'est-à-dire, quoi. La game où, voilà. Donc là, on enchaîne avec le 3e match. Hein. Je rappelle, c'est un BO5, c'est-à-dire c'est le premier à 3 points. Donc là, ça peut être une game assez décisive. Mais pas encore décisif. Alors du coup c'est parti pour la game 3. Nous sommes sur la magnifique map. Non, je vais faire des cavaliers. Je pense que je vais partir épéiste du coup. Ouais, par épéiste. Mais en vrai Eternal c'est un fourbe, il pourrait bien partir sur des chariots de guerre. Mais cavalier épéiste quand même. Toi t'as repris Arnor? Ouais.
Ah oui. Ça te présente pas mal, mon petit Larnor ? Non, en vrai, t'as bien joué. Les héros de l'Arnor, en fait, ils sont quand même pas mal. Ça va, un Karten, sa flèche de feu, non, en vrai, je la trouve pas mal. Je sais pas, enfin, après, je la faisais, mais je faisais pas trop, je regardais pas trop ce que je faisais. Est-ce que je prendrais pas la vision pour voir ce qu'il fait Eternal ? Sans prendre. Quoi ? Sans, si tu veux. Je vais le faire, non, comme ça, je pourrais. Je... Pouvoir, non, non, je vais pouvoir le counter. Ok, il part sur des nains. Nous avons une nouvelle structure. J'ai des matériaux de construction. Ah, c'est juste. Sur des nains, ouais, mais je... il a pris un, parce qu'il va essayer de nous compter par derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut juste voir où est le bâtisseur, quoi. Mais je pense qu'il sera pas, il sera sur les côtés en fait. Donc je vais aller sur les côtés. Tu peux me donner 20 heures là, mais. Tu dis rien, ok. On sait jamais, tu regardes pas de ma base. Okay. Après, est-ce qu'il aurait pas fait une mine au centre de la carte ? Non, non, pas encore. Son bâtisseur est monté en haut. Il va aller essayer. Non, non, ça c'est son deuxième bâtisseur. Enfin, son premier. Oui, son bâtisseur, ouais, le bâtisseur est parti à droite. Où devons-nous construire ? À gauche, tu veux dire, non ? De toute façon, t'inquiète pas. Tu penses qu'il est par là ou pas ? Regarde, il est faire le troll. Il allait faire le troll. En haut. Où ça ? En haut, tu sais, il y a un troll, il y a un Bobby en haut. En haut ? À gauche ? Ouais. Je reposais mes yeux un moment. Le travail nous attend. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas quand c'est Mira qui. Qui. Des matériaux de construction. C'est pas content, Mira, quand je t'aime bien. Hein. Le bâtiment. Je me reposais un peu. Je suis prêt. Vas-y, vas-y, viens. Là, il est parti à homme de, du pays d'un. Nous avons fini cette structure. Il est temps de bâtir. Elle, préparez-vous. N'attirez pas l'attention. J'ai déjà détruit une des unités de homme du pays d'un. L'ennemi a établi un camp ici. L'ennemi est en vue. Où devons-nous construire ? Il y a beaucoup à faire. Elle, préparez-vous. Il a, c'est quoi la couleur de l'arbre ? C'est gris, hein ? Ne laissez pas le troll des cavernes s'approcher ! Ouais. Repoussez ces ignobles créatures ! Ils attaquent ! Attention à l'ennemi ! Ne laissez pas de grâce ! Nous devons protéger ces bois. La caserne est terminée. Ici. Ce bâtiment est achevé. Du coup, t'as vu, il est pas parti sur le devant. Gardez vos sens en éveil. De quoi ? Il est pas parti sur des chariots ? Attention à l'ennemi. Ne laissez pas de grâce. Non, c'est vrai. Trouvez une tanière de war ici. Non, laisse-le. Ouais, je peux. Comme tu veux. Attention à l'ennemi. Tu peux faire ? Non, vas-y, vas-y, tu peux venir. Non, non, vas-y, vas-y, tu l'es, tu l'es. Gardez l'équilibre. Restez concentrés. Rompez le combat. Non, non, mais ils font quoi, ils font quoi, ils font quoi, vas-y, reculez, reculez. Quoi, il y a des nains qui arrivent derrière ta base. Regarde, il m'attaque dans ma base, c'était sûr. Nous devons défendre nos foyers. Nous allons nous cacher ici. Nous devons protéger la terre du milieu. C'est sûr. Tu veux pas venir me défendre, là, s'il te plaît ? Ouais, j'arrive. Restez sur vos gardes. Lancez l'offensive ! Attention à l'ennemi. Nous devons défendre nos foyers. Bien prêt au combat. Parce qu'il me faut un rush à deux là. Oh, par contre, les archers ils font zéro dégâts quoi, vraiment. Ça me pète les couilles. Hein. Les archers de l'Arnor, non ? Ouais, mais j'ai quand même besoin de rempart là. Je suis là, Retournez dans les puits qui vous ont engendré. Attention à l'ennemi. Par ici, elle, préparez-vous. Ne laissez pas de traces. Allez, bouge. Aux armes. Restez-vous. Des matériaux de construction. Nous sommes trop nombreux. Les on y travaille. Sont à vos attention à l'ennemi. N'attirez pas l'attention. Gardez vos sens en éveil. Repos. Ne laissez pas de traces. Elle se termine. Gardez vos sens en éveil. Le mal est ne sur nous. Ne laissez pas souffler. Préparez-vous. Ils attaquent nos ressources. Gardez vos sens en éveil. Éliminez-les. Je te laisse détruire ces nains là. Elle, préparez-vous. Il y a des piqués aussi, mais. Ouais, ouais, mais je vais essayer de faire ça. C'est mine. Des matériaux de construction. Nous avons une nouvelle structure. Vite, elfes de la forêt. Tu le défends, ça sent avec les elfes là. Non ? Ça va. Des archers, hein. Ça va, ça se passe. Ne les laissez pas passer. Le combat a commencé. Nous avons rencontré des voix. Préparez de 100 pas de taille. Ils attaquent un malheur. Allez, dégagez-vous. En fait, non, je me fais défoncer.
Vas-y, j'arrive avec un héros. Ne les laissez pas passer. Gardez vos sens en éveil. Notre belle ville s'agrandit. Attention à l'ennemi. Nous devons protéger la terre du milieu. Mais en fait, ils sont derrière ma base, je crois, non? Préparez vos outils. Pas à voir. Un endroit idéal. Préparez vos armes. Mais oui, il a fait des mines derrière la base aussi. Il faut les péter, ces mines et tout. J'attendais juste mon tour. Ils attaquent la valeur. Aux armes. Toi, tu peux pas t'en occuper de détruire ces mines ou pas? Bah en fait, avec la cavalerie, il va sortir un truc de pitié. Ouais, donc je suis obligé de... C'est possible de faire un aide. Ce sera le fait. En fait, j'ai tellement d'hommes et je sais pas quoi faire. Je peux pas l'approcher s'il sort ses mines tout le temps, là. Attaque-le au pire, genre va détruire sa caserne, fais un peu plus de piste, tu le fais et va attaquer. Bah c'est ce que je fais là. Fais un puits aussi. Fais chier avec son puits lui. Ouais mais vraiment mes unités j'ai besoin de les refaire. Pourquoi j'ai fait une caserne? Mais j'ai fait une caserne. J'ai 3 casernes. Je sais pas, 3 casernes. Avancez. Préparez-vous. Nous avons une nouvelle structure. Gardez vos sens en éveil. Par ici. Des matériaux de construction. On y travaille. Mais je sais pas ce qu'ils font en fait. Se trouve ils vont faire un rush démolisseur. Ah. Pire que ça. Putain mais qu'est-ce qu'il fout là, Kartaen? Il a fait des chariots. Préparez vos outils. Mais c'était sûr qu'il allait faire des chariots vraiment. Je pars sur les aigles. T'as fait un puits? Je suis en train. Il est où? Il est là. Attention à l'ennemi. Ok, merci. Pressez-vous! Ne traînez pas! Nous avons une nouvelle structure! Il a fait des chariots. Ouais, il va revenir attaquer par derrière là. En bas de chez moi. Bienvenue dans les montagnes blanches. C'est vrai qu'Arwen Garfindel ça aurait été pas mal aussi. Mais les aigles, je pense, c'est une très bonne idée. Les nains face à un aigle, peut pas faire grand chose. Hein. Ouais, non, mais là j'ai raison d'aide. Hein. Je pourrais pas défoncer ça. En avant! Protégez cette terre! L'ennemi approche! Avancez! Ne laissez pas de grâce! Ouvrez l'œil, sentinelle! J'arrive. Pressez-vous! Nous avons agrandi la forteresse! Où devons-nous construire? Ouah, les dégâts du chariot! Non, mais cavalerie! En ligne! Ne traînez pas! Oh, j'ai perdu mes... Vente à ferme là. J'ai cassé son chariot. Bien joué. Nous devons protéger la terre. C'est la base ennemie. L'ennemi est juste à terre. C'est une invasion. Ah, mais. Si, mais il est encore en mode. Pourquoi je peux réparer? Il vient de le casser. Tu veux venir m'aider pour repousser ces hommes? Je dois. Attends, je te laisse des hommes et moi je vais me défendre. Oh, mais il y a encore un chariot. Ouvrez l'œil, sentinelle. À l'attaque! Avancez! T'as des piquets? Non. C'est vrai que moi j'ai du mal à attaquer en fait. C'est vraiment mon plus gros défaut. C'est que je me défends beaucoup, mais j'attaque pas beaucoup. Nous devons protéger ces bois. Tu peux casser sa ligne s'il te plaît avec tes 3-5 épices là? Préparez vos armes. N'attirez pas l'attention. Nous devons protéger ces. Impossible d'entretenir plus de troupes. L'ennemi est proche. Repoussez ces ignobles. Ne les laissez pas passer. Restez sur vos gardes. Nous avons le nid d'aigle. Gardez cette zone. Ils font vraiment une technique d'harcèlement. L'un des malheurs n'est attaqué. Nous devons protéger la terre du milieu. Fais gaffe tes archers. Ouais, faut vraiment casser ces mines. Nous avons une nouvelle structure. Nous portons les lances de Mitlong. Réparez vos outils. Ce que je fais n'a aucun sens. Il est une mine derrière chez nous. Je sais, mais le problème c'est que ça me faudrait que j'aie le. Étourdi ou pas? C'est bon, j'ai un aigle. Des matériaux de construction. Déjà? Passons par ici. Ouais, je les rush. Il y a beaucoup à faire. C'est leur ligne. Nous devons défendre nos foyers.
j'ai aucun pouvoir. Si, j'ai un. Mais qu'est-ce qu'ils font, mes archers? Attaquez, bande de noobs! Ils attaquent. Mais non, ils attaquent pas, ils courent, ces fils de pute! Oh là, ça me rend fou! Ils font nimp! Les autres, ils attaquent! J'aurais dit d'attaquer en un clic. J'ai rien fait. Oh, c'est fou ça. Et c'est... Tout le monde court dans tous les sens, je comprends pas. Bon, une fois qu'on aura cassé toutes les mines de derrière chez eux, là, chez... Ils font chier d'attaquer mes malheurs. Par contre, ils vont détruire le puits. C'est pas cool. Il y a des mines partout derrière chez nous, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai fait. Elf, préparez-vous. Je peux pas avoir mon deck parce que j'ai trop de pop. Sérieux? Moi, le seul truc que je fais pendant la game, c'est que je détruis une autre Awarg. Pire move. Au moins, je récupère de la thune. Nous avons fini cette structure. Nous devons protéger la terre du milieu. Putain, mais ma cavalerie, elle augmente jamais de level en fait. Où devons-nous construire? Ce bâtiment est achevé. Développons ces matériaux de construction. Nous avons une nouvelle structure. Il est temps de bâtir. Ah, bah c'est bon, j'ai un aigle. Sphère de Eternal. En ligne. Je suis juste en PLS, pas dans ma base là. Il y a du monde. Ah, ça marche n'importe où, je pense. Une chambre à Ent derrière la base du nain. J'avoue, ça peut être une bonne idée. Tu veux un bâtisseur ou pas? Un bâtisseur. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, un bâtisseur. Ouais, pour défendre. Mais t'es dans la merde en fait. Bah oui, je le dis depuis tout à l'heure. J'ai pas entendu. Quel connard. Ton body il marche pas. Alors la bande c'est vraiment pire pouvoir de la terre du mur. C'est quoi ce bug là? Il se passe plus rien. Tout de fou. Ah ouais. T'as tes bâtisseurs de safe. Bah j'ai un bâtisseur safe, l'autre il est mort. T'as combien de thunes? J'ai assez pour faire une forteresse. Mais je suis en train de faire une caserne là pour pas perdre la game. Vas-y, go pêche, go pêche, go pêche. L'ennemi est là! C'est une invasion! Mais je comprends pas, l'ennemi est là? Où ça, ouais, l'ennemi est là? À côté, foncez les zincars, viens, viens, viens. Fais un puits là. Bah, je laisse mes hommes là et on va défoncer les zincars. Je comprends pas. Avance, avance, juste avance. Et fais plus d'épices et piqué. Les bâtiments ennemis sont proches, nous protégerons la terre du monde. Vos outils. Je suis perdu dans la game! On y travaille! Je reposais mes yeux un moment. Un endroit idéal. Préparez-vous. L'ennemi est proche. Par ici. Nous devons protéger la terre. Par contre, les hobbits, vraiment pire pouvoir du monde. Ça va rien sur le mode du miracle. L'ennemi est en vue. Ennemi des ailes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fuis? Ton Sorban est midlife? Bah oui, je l'ai mis midlife. Il est déchargé. Fais gaffe, il a un brand. Il a des wargs. T'as pas de piqué? J'ai rien du tout, moi. Ne traînez pas! Gardez cette zone! Ne traînez pas! J'étais bien avec mon aigle et là j'ai perdu mon aigle. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? Où devons-nous construire? Cet endroit est inadapté! Oh non, ouais, il est mort. Attention à l'ennemi. Qui est mort? Mon héros, il va sûrement mourir. Ouais, il est mort. Faut se replier. Putain, mais t'as construit ta chambre à Ent où je voulais construire ma forteresse, salaud. Repoussez ces ignobles créatures. Moi je fais que des arts. Je fais n'importe quoi. Que des archers, je te dis fais des épices, des piquets, t'as fait d'archers. Ouais, faut que j'arrête, je crois. Crétin de touc. Des matériaux de construction.
ça va, les nains peuvent nous attaquer que de face maintenant. Mais c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup de soldats quoi. Non mais clairement, je sais pas, tu fais quelque chose, vendre des archers pour faire des piquets, des épices, là, parce que ça sert à rien. Attends, je vais faire un mur. Mais non, 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 mais donne-moi de la thune au pire. Non, non, non. Préparez vos outils. Attaque, elle rire, attaque. Je crée. Non, mais casse ton mur, casse ton mur, casse ton mur, casse ton mur. Je crée des. T'inquiète, t'inquiète, tout est calculé. Y'a rien de calculé là. Putain, Pubi, il va me casser les couilles là. Je peux rien faire contre le nain, ça me pète les billes. Si, si, t'inquiète, je m'en occupe. Mais tu t'en occupes, t'es encore dans ta base là. Non, regarde, j'arrive. Promis. Nous avons agrandi la forteresse. Et regarde, y'a quoi là? Y'a un putain de zombie. Genre les divots, j'ai pas de charger. Ah oui, d'accord. Go focus le Saruman, viens focus Saruman, focus Saruman. Oh il fuit, lâche. Ton aigle doit mourir. Remplis ton aigle. L'ennemi a établi un camp ici. Bon ok, à moitié de ses wargs sont morts. Ils attaquent notre bâtisseur. Ah, je me fais niquer dans ma base là. Ils ont tué le bâtisseur. Bah oui, avec ses mines. L'ennemi est là. C'est une invasion. Par contre, ça met trop longtemps à revenir. Hein. C'est obligé. Préparez vos outils. Où devons-nous construire? Notre limite de commandement est atteinte. Un endroit idéal. Ah ouais, parce que mes pouvoirs sont à zéro. Gardez vos sens en éveil. Ils pourront pas fuir, je fais un mur. MDR. Focus les archers là-bas au fond. Je peux pas. Fais gaffe, il vient par derrière le. On a plus de piqué. Hein. Oh non, mais t'as groupé tout tes. Oh bah c'est fini. Hein. C'est fini. J'ai perdu tous tes archers. Ça sent moyen. Non, ça sent moyen. Moi, je sens que ça pue. Je sens l'odeur là et franchement, ça pue. Ah, mais mon aigle est mort. Y'a du monde là qui arrive là. Quoi, y'a de la cavalerie qui arrive? C'est en blague. Tranquille, on va se refaire. On va se refaire, il a un Saruman niveau 5. Comment ça se fait qu'il est niveau 5? Moi j'ai toujours pas de héros. T'as aucun pouvoir, t'as zéro héros, je comprends pas, t'es meilleur à game d'avant. Ouais, ouais, petite baisse de régime on va dire. Va falloir faire mieux à la prochaine là. J'ai un peu chié dans la colle. What the fuck, ma cavalerie s'est fait one shot. T'as quelque chose pour contrer sa masse là? Genre un pouvoir drone ou un truc comme ça? J'ai un Tom Badil, c'est encore mieux. Oh oui! C'était joli ça. Je reposais mes yeux un moment. On y travaille. On fait des épisodes, des piquets, vas-y, tiens, tiens. Bah c'est ce que je fais, hein. J'espère que ça va tenir quoi. J'ai encore de l'écho, mais je manque de moyens quoi. C'est chaud quoi. C'est chaud. T'as pas de héros là? T'as perdu ton avenir? Non, il est là. Bah, il vient d'arriver. Il faut les arrêter. Le combat a commencé. Battez-vous vaillamment, elf. Venez avec moi. En avant. Mes amis partent tout seuls à la guerre.
C'est vraiment des connards. Non mais il est vraiment en train de faire une mine devant chez moi là. Fils de pute. Toi t'as plus rien là. Bah je suis un PLS quoi. Toi tu te casses, sans aucun problème. Mais je sais pas où aller en fait. Je peux pas aller devant, y a un nain avec 3 milliards d'hommes en fait. Ouais, j'ai leur Oh bien joué. J'ai pas tout ça, mais... Oh c'est très bien joué ça. Qu'est-ce qu'il prend? Ouais, la flèche de Cartan n'est pas ouf. Hein. Faut bien qu'il faudrait créer quelque chose là pour défendre ces. C'est pas si mal. Je sens une présence maléfique. Des intrus! Avertissez les autres! Nous ne faiblirons sur nous! Ces terres sont rongées par le mal. C'est quoi ces bombes atomiques qui lancent là maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là avec son lure? Restez sur vos gardes. Quittez cet endroit où il deviendra votre tombeau. Elf. Ça pue un peu. Je peux pas sauver mon lure. Non, avec Cartel. Bah non, lui il se casse. Il voilà. Merci à l'heure. Vraiment, super allié. T'inquiète. Mais tu veux même pas tuer son lure. Oh, vas-y, reste tout seul. Mais attends, je suis occupé. Focus, c'est chariot, c'est tout seul. Je vais focus quelque chose, ou pas? Quoi? C'est un mec, bah oui, mais c'est. Mais j'ai fait ma volée de flèche! Mais elle fait 0 dégâts sur ce. Enfin, elle fait moins de dégâts sur ce. Ça m'a one shot! C'est débile. Mais j'ai pas quitté, il m'a détruit. Je peux rien faire. Je peux rien faire face à ces nains de mort là. Ils veulent pas crever. Manière de ton côté, t'as perdu. Attends, je vais tuer l'urte. C'est vrai qu'il faut le tuer. Toi, il est mort, c'est bon. Tuez! Moi je suis avec mes petits bâtisseurs là. J'ai reçu cette armée des zingas. Des matériaux de construction. Nous devons défendre nos frontières. Aïe 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 aïe, c'est dur hein, c'est dur hein. On sent que c'est pas facile. Ah, t'as fait de la merde, Adrien. Les elfes qui tiennent jusqu'au bout, c'est dingue. Je sais, mais c'est les nains, ça m'a perturbé aussi. Ça perturbé, c'était simple, c'était évident qu'il allait faire des mines derrière la porte. Bah oui, mais... C'est à cause de la côte de Mirac. Fais ta gueule. Mais regarde, quand on a joué sur l'os de Mirac, on a perdu. Quand on joue sur l'os de Totor, on a gagné, c'est tout. Bon, go changer de map, là. Pète les couilles, cette map, là. Ah... Le problème à un moment, t'as dû gérer un 2v1 et tu faisais rien. Je suis tout à fait nul. Je faisais rien, je pouvais rien faire. Ils avaient rush ma base dès le début de la game et le vrai, il a mis 3 ans avant de venir. Je suis d'accord que c'est la faute à Tutu. Voilà. Je l'ai détruit. Nous sommes sur les terres Doudoune, les terres derrière la porte connue sous le nom Doudoune. Elle aurait pu les détruire. Je les mange. Oh là là. Allez, là. J'ai peur, Tutu, j'ai peur. J'ai peur, Tutu. J'ai très très peur, Tutu. Je sens qu'on va perdre. Moi, tu te l'as pas dit, mais il a raccourci pour faire des bâtiments de ressources. C'est R, quoi. Pour tous les bâtiments de ressources. Ah ouais? Trop bien. Ouais. Je savais pas. Ça, bizarrement, il l'a pas dit. Hein. Elruir. On défonce tout, ok? Ouais, c'est prévu, hein. Ah, j'aurais... Je pense que... Non, rien. Allez, go, je me concentre. Mais non, faut avoir le mental de vainqueur. Moi, bon, je suis un vainqueur. En fait, c'est juste éclataxe, en fait. Je suis super fatigué, ça m'énerve.
Je vais en perdre couille après que tu sois fatigué. Ouais, lourd. Ouais, je les détruis, je les mange. Un peu d'optimisme, Elro. Je dois faire un tunnel ici. Quoi? J'ai un tunnel pile poil sur mon pied. Ok, mais je suis directement une deuxième cave. Donc je vais cacher mon bâtisseur un peu plus bas. Avant qu'il le voit. Ouais, et plus genre là, tu vois. Mais je crois qu'il n'y a pas d'ante en plus sur cette map. Cessez de chindre. Non, normalement c'est bon. Normalement on la voit pas ta mine. Les guerriers, le tunnel. Allez, l'ouvert, tu défonces tout le monde avec tes gobelins là. Montre qui c'est le patron là. Okay, comment ça, voilà l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? Alors regarde là, défonce-les là, sort tes gobelins, tue ce bâtisseur, allez, go. Joue comme tu joues d'habitude. Et si je te dis de la merde, tu me dis ferme ta gueule, ok? Je vais te faire niquer. Concentre-toi, m'en pas les couilles, tu vas pas te faire niquer. Va l'enculer. Ok, il est parti first cave. Il est parti cavalerie? Je sais pas. Non, je vois une caserne là. J'ai une caserne du côté de... Ah oui. Ah oui, ils sont deux, ouais. Encore, il m'attaque à deux, hein. Vraiment, défonce-le là, tu t'en occupes. Défonce-le, c'est grand mort. Hein. Encule-le, je te dis. Ouais, par contre, genre, à quel moment ils savent où sont mes bâtiments de ressources, genre MDR. Hein. Ce sont les bâtiments ennemis. Les terreflans sont punis. Oh, il y a les arbitriers, c'est une trop forte présentation. D'autres guerriers gobelins. Celui-là, mais bougez. La forteresse ennemie. Nous sommes attaqués. Rassemblement. Allez, alors, il rencule de. Comme ce que tu fais avec ta copine, allez. Ça va pas. Il est fou ce dieu. Il est fou notre tutu. Défonce-le. Je mets de la pression, Je vais aller chez l'elfe. Pareil. Vas-y, go sur lui, non? Non, je vois pas, sur son armée, voilà, défonce le lit là. Les guerriers, les voilà. D'autres araignées sont sur les clos. Rassemblement. Nous avons fini ce moment. Construisez. Oh, ils vont plus vite que moi. Ce fils de pute. Tous ensemble. Quoi, il coûte 1400 burs. Défonce-le. Il y a une troupe de gobelins à droite que tu bouges pas.
Je vais acheter le chevaucheur d'araignée. Ça me permet de temporiser. Oh mais il défonce. Ça m'énerve parce que les gobelins ça pue. Hein. Vas-y, j'ai perdu le fight, fais chier. Il te faudrait quoi? De la cavalerie ou pas? Ouais, c'est... je vais en faire. Je peux défendre ma tournée, c'est pas à gauche. Je comprends pas. Je pense avoir 3 millions d'hommes de plus que lui, mais non, ça sert à rien. Allez, l'ouvrir, attaque. Sauf si tu te sens pas prêt, mais là, faut attaquer. Ouais. Ok, j'attaque. Il y a des elfes qui contournent ou quoi? Non, ils viennent m'attaquer moi. Je vais aller péter sa base alors. C'est qu'il doit pas être chez lui. Non mais il faut quoi mes wargs? Oh non mais j'en... te bête. Il faut des trucs pas de monde. Ils ont construit ici. Jamais il y a les elfes qui essayent de se replier là. Ouais. Ils viennent surtout chez moi, je crois. Non, ils essayent de se replier. D'autres guerriers gobelins. Des hommes partout, ce bordel. Ce sont les bâtiments ennemis. D'autres araignées sauvages ont éclos. Les gobelins sur le tir, s'il te plaît. Ah merde, il sert plus. En vrai ça va hein. Je suis chez le chelem là. Je crois que j'ai niqué toute l'écho là. Ouais bah moi je suis en fight hein. Ouais mais replie-toi. J'ai pris si cher. Il a fait Glorfindel. Attends quoi? Il a fait Glorfindel. Mon bâtisseur il est bloqué entre deux bâtiments. LOL. On est parti au bon moment là.
Qu'est-ce qu'il prend le Mewarg? Qu'est-ce qu'il prend? Ah, je suis dans la merde, il y a un leadership qui a été balancé. Ouais, d'accord, chaque coup il pue la merde même contre appuyer ça. Mets de la pression ou je décède, je pense. Tu as de la pression, là, j'ai de la pression, j'ai de la pression de quoi et tout. Oh, mais il a trop de trucs, genre. Tu fais quoi là? Je fais que c'est la base de l'elfe. D'accord, parce que moi je peux pas me. Ouais, un peu, ouais. Pas la joie, quoi. Mais je comprends pas, ils campent devant chez moi, je peux rien faire. C'est leur but, c'est leur but. Mais tu peux pas venir m'aider, en fait. Mais si, je suis là, avec mon tour de voir. Mais je vois rien, là, avec ce nuage de fumée. Oh ouais, mes mémoires ils sont morts tout seuls, ils pouvaient... Oh derrière, ils bougent pas. Allez, salut. Mais il est horrible ce pouvoir. Insupportable. Puis mes hommes, ils me coûtent même pas, genre j'aurais demandé de se replier, ils sont en train de se faire comme des ailes. J'aime bien parce qu'il est invisible sous ma forteresse. Super pratique. C'est génial, hein. C'est pratique, hein. Fais le truc des chauves-souris. Les elfes c'est pété, mais viens m'aider! Mais je suis en train de venir, putain! Putain, mais regarde les wargs qui mettent 3 ans à bouger. Ça m'en fout parce que je peux rien faire. Genre, j'ai beau avoir des tours, il se passe rien. Ma base se fait enculer. C'est un truc de fou. J'essaye de faire des semi-trales. Ouais, pour l'instant j'ai rien, mais ouais. Mais toi, t'es bien en fait. Je t'ai donné de la thune. Gentil. Je vais déjà essayer de me refaire. Fonce pas trop dans leur base. Hein. On branche, j'ai un surman, mais un charcou. Moi, j'allais mettre de la pression. Putain, ça casse les couilles, ça. Fais gaffe, t'es tout seul. Hein. J'essaye de gagner des pouvoirs pour le Wyrm. Je suis bientôt Wyrm. Mais attaque pas, hein.
T'es tout seul. J'ai encore un pouvoir et je suis. J'ai fait Arachné, je sais pas si c'est bien. Si, c'est bien. Capta Pandao, je me dis. Ça peut être pas mal. Je sais pas si Capta Pandao, mais si c'est pas mal. Il y a beaucoup d'elfes là. Hein. Ouais, ils sont fous la bête de roue. Après, j'ai bientôt un Wyrm. Il manque quelques pouvoirs là. Ouais, moi aussi. Peut-être qu'il y allait, non? Ouais. Y'a un Ent en plus. Allez, foncez, mes wards! Ma forteresse, elle va tomber, non? Non, mais c'était quoi ces dégâts que je prends, mon Thomas Roman? Ah ouais, non mais ça c'est n'importe quoi. Les elfes c'est trop fort. Regarde comment les elfes c'est trop fort, j'ai rien pu faire. Marakness fait bolos. Tu es beau bien quand même. Ouais, tu es beau remire, ton Wyrm me casse les couilles surtout. Ta fortune c'est encore debout quoi. Ouais. Ouais. Plus pour ça longtemps, mais peut-être que je l'améliore. Surtout fais des défenses, des tours. Bah ouais, je vais devoir le faire, ouais. En fait, son Glorfindel est tellement casse-couille. T'imagines même pas. Mais c'est un focus le Malorn. Bah oui. Ah là là là, pire pouvoir de la porte. Pire pouvoir de la porte. Bon, moi j'ai plus qu'un bâtisseur, ça me casse les couilles. Je mets 3 ans à construire 3 bâtiments. Et bah, refais un bâtisseur. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire du coup. Je pense que moi je vais améliorer ma forteau. Là, ah, ils reviennent. Ils reviennent. Faut que tu viennes m'aider. Hello, where? Quoi? Tu dis que t'essayes de te démerder un peu stable là? Ah, je peux pas là. J'ai agrandi la forteresse, mais. Y a pas de piqué, hein, en vrai. Comment il sait que je suis là? Comment il sait que je suis là? Il est à la tour du voir, 100%. C'est probable. Fais gaffe, il va vers toi. Je vais aller attaquer. Surtout que j'ai pas encore sa remède. Je vois bien encore sa remède, là, s'il vous plaît. Ils ont perdu notre bâtiment! Il y a tellement d'archers. Je sais pas, c'est mes unités à combattre. Non, je parlais d'un moment. Il y a un Ent, faut que tu viennes m'aider. Hein. J'arrive, 2 secondes, alors 2 secondes, s'il te plaît. Mais Lint. Oh, il y a les aigles.
Ma porte tombe. Hein. Ouais, ouais, on fait là. J'ai plus rien. Bah ouais, mais... Oh putain, il casse les couilles. Et maintenant ça ralentit ce machin en plus. Non mais barre-toi, barre-toi. Hein. C'est débile, les elfes c'est trop fort, miracle. Ton mode c'est de la merde, les elfes c'est trop fort, on peut rien faire contre. C'est n'importe quoi. Genre, c'est débile. Allô. Plus de cavalerie, je pense. Mais même avec de la cavalerie, j'ai les pires cavaliers du jeu, de toute façon. Je passe, ouais. Ton mode c'est de la merde, miracle, on peut rien faire. Genre, clairement, le mec il a les elfes, bah, il est sûr de gagner en fait. Mais regarde les dégâts des wargs sur un malheur niveau 1 alors qu'ils sont un agressif plus de cri, genre. Nous avons agrandi la fosse des araignées. Ils attaquent la mine. Ça sent la merde. Ça sent la merde, oui, ça sent la merde. Ça sent la grosse merde. Je ne répéterai pas les ordres. Putain, mais reviens, fils de pute! Oh là là, putain, mais on va y aller. Adieu les Uruks. Ah, adieu Glorfindel. Il va y avoir deux îles. Bonne chance. C'est n'importe quoi, c'est débile, c'est débile. J'arrive pour prêter main forte. Enfin. Est-ce que ça suffira? Je ne pense pas, mais... Oh, mais le truc, il arrive sur le côté et tout. Ah, j'en balaye, hein, mais il se relève. Il se relève. C'est salaud, il se relève. Eh ben écoutez, bah, je pense que c'est fini, hein. Malheureusement, on a perdu. Mais on peut rien faire contre les elfes. Ah, les gobelins, c'est pas facile. Hein. C'est une faction qui est pas facile parce qu'une fois que tu perds l'avantage, c'est dur, c'est très dur de revenir. C'est très très dur de revenir, donc... En tout cas, ils ont bien joué, hein. Ils ont su bien, ah ouais, mieux jouer en équipe. Les elfes, c'est très puissant. On a remarqué que les elfes... C'est trop puissant, mais genre, c'est débile. Vraiment, c'est débile. C'est vrai que là, dans quasiment tous les matchs, j'étais bien avec les elfes. Oh non, pas mes poneys. Oh non. Les elfes, c'est trop fort. Genre, on peut rien faire contre ces putains d'elfes. Ils ont éliminé le bâtisseur. Mais je ne t'écoute même pas. Ils ont éliminé le bâtisseur. Oh là là, ils avaient pas grand chose en soi. Ouais, hein. Bah MDR, hein, je peux rien faire. Hein, oh, là, j'ai tout fait le rire. Hein. Je sais pas si genre bah, t'as mal joué. Bah, en vrai, au début, j'ai poke de ouf, mais j'étais en 2v1 aussi. Enfin, ils sont venus tous les deux à chaque fois.
Mais gros, j'ai agressé de ouf. Bah, je sais, mais son Glorfindel il m'a niqué ma cavalerie et ensuite, bah, qu'est-ce que je fasse? T'as pas fait du semi-troll aussi, genre, mec, t'as joué gobelin sans semi-troll. Bah, si, j'ai fait du semi-troll. Mais qu'à la fin. Ah, si, si, j'en ai fait. Eh bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette finale, malheureusement, on a perdu. Donc, bien joué à l'équipe Langshore Eternal, hein, l'équipe Gollum. Hein. J'ai pas mis en plus, j'ai oublié de mettre les petits émotes sur les côtés. Bravo à eux, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir YouTube, ça va être une grosse vidéo, 1h52, hein. Je mettrai les cuts évidemment. Au revoir. 3, 1.